Bah roulez. Ah d'accord. Salut les gars, là on est passé sur le Hyper VS, le fameux Hyper VS avec le moteur en position haute, l'Hyper 9 voilà, refroidi. Même pas les on est mis. C'est pas ta foule, c'est bah oui, ah bah oui. Il y a RC Mumuse qui est là. Dis bonjour. Hein. Bonjour. Voilà, c'est bien. Puis on a d'autres gars. Hein. Ouais, je connais pas encore tout le monde. Hein. On a monté les SLD Must dessus. Parce qu'on a envie de voir ce que ça fait avec des gros crampons. On va trimer un peu le merdier. C'est bon. Mais non, j'ai terminé le pack, t'as eu 8000 mAh là. Ah, j'ai pas terminé, je le laisse. Voilà. Tu veux t'as pas profité un peu. Bon. T'as vu, faut y aller une fois, enfin, avec la radio de merde. Que t'as mis comme punch, mais C'est un projet 100% récupéré, un peu de punch. Donc... Ah, dès que tu prends le choix, c'est qu'il va prendre douceur et ce cadre. Merci beaucoup, Mike. Il est méchant. C'est pas pour... Imagine en 6S celui-là. Mais... Imagine en 6S. Là, jamais le... je ne vais pas ramener. Pour pas être tenté, je vais pas ramener les affiches suivantes, de toute façon. Petite histoire, j'arrive à faire cabrer le buggy là, en 6S. Tu m'étonnes. Ça m'étonne pas. Il est ultra souple, c'est génial. En 4S, oui, je suis bien. Oh, je suis bien, ça. Ça grippe bien en crampon comme ça. Bah l'Hyper VS il braque moins que l'Hyper 9, il est moins facile à conduire je trouve. Bon, en même temps j'ai un cerveau plus lent en fait sur celui-là aussi. Bah il est en 0,12, j'aurais pu mettre en 0,07. En 4S il manque un peu de vitesse, mais vu que j'utilise aussi en 6S, je préfère pas changer de pignon. Ouh! Ah, c'est une vraie crème à conduire, je suis impressionné. Ouais, le. De quoi? Là, je suis sur l'Hyper VS. C'est mieux. Ouais, je suis un rotor VS Line. Ouais, c'est. Ouais, parce que bah j'ai éclaté mon rotor Léopard. Merde. Là, j'étais bien, j'ai réussi à me remettre sur la piste, en fait, non. On a tenté quelque chose apparemment. Attends, j'ai bridé ma direction, attends, c'est un peu con. Ah, yes, merci. Ouais. Bah, j'ai un truc qui se détache, attends. J'ai un truc qui se détache. Oh, c'est pas grave, c'est juste une des bavettes. On va la remettre rapidement et proprement. On va la resserrer un peu, on va chercher un outil. Serrer rapidement le merdier. C'est une petite vis, vu qu'elles sont vissées, les bavettes, elles ont tendance à se desserrer des fois. Donc, on va resserrer tout ça, on va le fixer bien proprement.
bien. Il devrait plus bouger là, j'espère. On est bien. Bon, c'est reparti, hein. Toujours en compagnie de RC Mumuse avec son Truggy. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, t'as pas pu le faire quand j'étais en bas. Ah, merci, merci bonhomme, merci Kevin. Moins rapide que l'hyper neuf en tout cas. Merci beaucoup. Bah, comme non, tu vois, ça rebondit en fin de saut. Ça rebondit par contre. Ouais, le châssis il claque, il rebondit. Ah ouais, c'est ça le problème d'être. Faut avoir les ressorts comme j'ai mis sur la prépa tapouf, les ressorts pour le double action. À l'intérieur. Ouais. Parce que là j'ai remarqué, je ne rebondissais absolument plus. Ça, c'est ouf. Le châssis ne bouge pas, les roues elles absorbent tout. Oh, il est déchaîné le produit. Par contre, je remonte un peu trop, je crois que c'est trop mieux aussi peut-être dans le produit. Tiens, en fait, c'est des ressorts de stylos que j'avais mis dedans. Ouais, je sais, je m'en rappelle. Tu vois, sur AliExpress, faut que j'aille pour m'en choper des en 4 mm. Merci beaucoup, Kevin. Vu que là, c'est les tiges en 4 mm sur le hyper, sur le pré-patapou, c'est en 3.5. Donc, le ressort des CO, ça passe. Là, non. Ouh. Ah, s'il vous plaît. La bordure. Effectivement. A chaque fois que je vais conduire un Truggy, ça me paraît vraiment trop simple à conduire le truc. Non, c'est pas si simple que ça. Surtout avec la patate qui est là. T'as eu peur? Je suis gentil, hein. On a des réflexes, ça c'est bien quand même, on n'est pas des droits. Hein. Bah heureusement. Ouf, deux roues. J'ai fait un deux roues latérales. Il se remet pas. Yes. N'empêche, le moteur en position haute, ça le déstabilise pas tant que ça. Là j'ai le moteur à 30 mm au-dessus du châssis. Ouais je sais. Mais il est pas. Il est vachement stable quand même. Alors après, vu que j'ai que des 6S après les 4S, bah je monte des 6S. Oula, j'ai perdu la bavette. Attends, bouge pas. Le Truggy. Joli, hein. Joli quand ça part en étoile. Perdu une bavette alu, on se passe à soi fixe. Non, ça a rien. C'est rien, c'est rien. Bon bah les mecs, je vais pas envie de faire de montage donc je coupe, on se retrouvera pour une autre vidéo je crois. Allez, ciao. 8 minutes, c'est pas trop mal. Là on a perdu juste ça.